avec le contrôleur. Voilà, alors tu contrôles avec le contrôleur. Je mets le... Oui, mais bon, ça a été changé depuis, mais c'est pas grave. Bah, écoute, okay. Tu veux mettre la tienne? Il y a quelques petites modifs, toutes petites. Bon, ou je laisse celle-là, tant pis. Allez, on va laisser celle-là. Oui, merci. Je vois que vous avez applaudi tant que j'étais pas là, et que ça s'est arrêté quand j'étais là. Bon, c'est noté. Alors, ok, merci. Ça fait du bien à l'ego. Alors, je vais juste me positionner par rapport... Oui, c'est très bien, et je le mets par là, c'est parfait, c'est parfait. Par rapport au précédent, quand on parle de quantique, on est plus dans la conscience du bas que celle du haut. On est plus dans la conscience analytique, si je puis dire, que la conscience intuitive, bien que, pour moi, le problème, c'est que la science, pour l'instant, ne sait pas dire quelque chose d'autre que descriptif, c'est le cas des neurosciences, sur la conscience. C'est-à-dire, quand on lui dit « c'est quoi la conscience ?» et comment la conscience peut-elle interférer avec le corps via le cerveau, on n'a pas beaucoup de réponses, sauf à noyer le problème en disant « tout est matière et la conscience est un épiphénomène de la matière ». Alors, je me suis demandé en fait si on ne pouvait pas aller plus loin. Et en fait, donc il y a trois idées dans ce que je vais vous dire. La première chose, c'est que on ne comprend pas la physique quantique, ça vous devez le savoir, c'est-à-dire même les physiciens eux-mêmes savent décrire, savent manipuler leur science, mais ne savent pas l'interpréter. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, peut-être ce que je me suis dit, c'est que peut-être si on n'arrivait pas à comprendre le quantique, c'est que justement, il y a au sein même de la matière, un contenu qui n'est pas matériel, et quand ce contenu qui n'est pas matériel vient frapper à la porte de la matière pour la bousculer, le physicien ne peut pas comprendre. Je vais vous le redire tout à l'heure. Et donc, à ce moment-là, la compréhension des choses sur laquelle je suis parti, c'était que si on n'arrivait pas à comprendre la physique quantique, c'est tout simplement parce qu'au sein même de la physique quantique, il y a quelque chose de non matériel qui vient bousculer la matière, et si on reste prisonnier d'un cadre purement matérialiste, on ne peut pas comprendre ce qui se passe, puisque la véritable explication suppose de sortir de ce cadre. Voilà, c'est un petit peu ça la grande idée. Donc je vais plutôt parler de ce que la science peut appréhender plus facilement, c'est la conscience, pour reprendre la nomenclature de Jean-Jacques Charbonnier, c'est plutôt la conscience, et je m'en excuse, d'en bas, c'est-à-dire la conscience analytique plutôt que intuitive. Je m'empresse de rajouter que peut-être qu'une fois qu'on aura compris le mécanisme de la conscience analytique, on commencera à voir que ça déborde vers la conscience intuitive. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire en préambule. Donc je crois que on va passer à la slide suivante. J'en ai je crois 42 et j'ai 45 minutes, donc ça va être, voilà, d'accord, c'est très bien. Donc le monde quantique, je suppose que vous le savez tous, c'est le monde des objets infiniment petits tels que l'atome et l'électron, c'est-à-dire ce qu'on appelle les particules élémentaires plus généralement. Nul ne le comprend aujourd'hui tant il est extravagant, on verra un peu pourquoi tout à l'heure, mais il se pourrait que ses traits les plus déroutants révèlent que l'univers est plus riche que sa seule dimension matérielle et tangible. En gros, il y a non pas un tigre dans le moteur, mais il y aurait du non-matériel dans la matière. Et en fait, une certaine réflexion que je n'aurai pas le temps d'exposer, mais c'est dans le dernier livre que j'ai publié, il est possible que s'il y a un tigre dans le moteur, c'est-à-dire du non-matériel dans la matière, c'est pour une raison de cohérence du monde. En gros, si la matière était seule, elle ne pourrait pas être cohérente. Voilà, c'est un peu, je crois, ce que ma réflexion sur le quantique m'a fait découvrir. Alors, mon ambition... c'est de faire une approche du cerveau conscient, donc on est bien au niveau de la conscience analytique, pour reprendre encore une fois la nomenclature de Jean-Jacques Charbonnier. Ce cerveau, le cerveau conscient,
À mon avis, on peut en... il y a place pour une approche qui est à la fois scientifique et non matérialiste. Alors, je dis tout de suite que si je parle de conscience quantique, je me situe un peu en amont des neurosciences, mais pas contre les neurosciences. Alors, montrer que cette démarche à la fois scientifique et non matérialiste permet de comprendre les propriétés les plus extravagantes jusqu'ici incomprises du monde quantique. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Suite. L'invisible et la conscience. Bon, la conscience est invisible, mais comme on dit, elle peut se rendre en partie visible par le fait que, si je fais l'hypothèse que la conscience n'est pas de nature totalement matérielle, en tout cas pas matérielle, j'aboutis sur le fait qu'il va bien falloir quelque part faire l'hypothèse qu'il y a un dialogue entre la dimension consciente non matérielle et la dimension matérielle, et ça relève de la science, l'interface. Alors, la conscience, donc, comme j'ai dit, il y a plusieurs types de conscience. A priori, je parle de la conscience d'en bas, la conscience analytique cérébrale, que un autre auteur qui s'appelle Olivier Chambon appelle la conscience ascendante, celle qui part d'en bas et qui remonte un peu, par opposition à la conscience descendante, qui, globalement, on va dire, correspond à la conscience intuitive extraneuronale de Jean-Jacques Charbonnier. Suite. Alors, la conscience quantique, encore une fois, est très liée au fonctionnement neurocognitif usuel du cerveau. S'apparente au premier type, c'est-à-dire, en gros, la question posée, c'est pourquoi le cerveau est l'organe de la conscience et est-ce que la science peut comprendre sans forcément faire l'hypothèse du matérialisme? Et je propose une réponse affirmative. Oui, c'est possible. Encore faut-il le montrer. Alors, ce que j'appellerais, je vous parlerai aussi de psychisme dans ce qui suit. Psychisme, pour moi, c'est un concept plus général qui regroupe les états conscients et inconscients. Et en gros, on va dire qu'on peut considérer que c'est le matériau, la matière première de la conscience, c'est-à-dire la conscience est un construit à partir du psychisme, si on veut. Suite. Mon hypothèse, c'est que... attendez, je vais me lire avec mes lunettes, ça sera mieux. Il se pourrait que le monde de l'atome et de l'électron, c'est-à-dire le monde quantique, soit imprégné d'une dimension psychique, donc immatérielle et invisible, capable d'interférer avec la matière tangible. Étant donné qu'elle est capable d'interférer, ça veut dire que de temps à autre, au moment où elle interfère, elle laisse une trace. Donc c'est ce que j'appelle le quasi-invisible, et c'est grâce au fait qu'elle n'est pas totalement invisible que la science peut espérer pouvoir en dire quelque chose. Alors, des exemples de quasi-invisibles, le neutrino qui est une particule qui interagit presque pas, les ondes gravitationnelles qu'on a découvertes en 2015, les trous noirs et, comme vous le savez aujourd'hui, 95% de l'univers qui est invisible réparti entre la matière noire et l'énergie noire. Alors c'est quasi invisible, on n'arrive pas à la voir, mais on sait qu'elle existe parce qu'elle laisse des traces. La matière noire va modifier la force de gravité, par exemple dans les galaxies spirales, on peut le voir, et l'énergie noire va accélérer l'expansion de l'univers alors qu'on s'attendrait à ce qu'elle soit plus lente. Voilà. Alors, si je veux pouvoir faire l'hypothèse, une hypothèse, on va dire, opérationnelle d'une conscience non matérielle, il va falloir que je trouve ce qu'on appelle un critère opérationnel ou un critère séparateur qui me permet de dire le psychisme c'est ça et la matière c'est ça. Alors je vais prendre l'image de l'œuf poché, j'y reviendrai tout à l'heure. L'œuf poché, il y a un jaune et un blanc. Eh bien, si j'ai un petit bout d'œuf, je regarde sa couleur. S'il est jaune, je sais que c'est le jaune d'œuf. Et s'il est blanc, c'est le blanc d'œuf. Pas difficile à comprendre. Eh bien, il va falloir que je fasse la même chose. Si je postule que dans toute particule élémentaire, il y a une goutte de psychisme, donc d'une dimension non matérielle, il faut que j'ai un critère qui me permette de décider ce petit bout appartient soit à la dimension matérielle, soit à la dimension psychique. Eh bien, quelle hypothèse je vais faire? Je vais introduire une notion que j'appelle l'endocausalité. Et l'endocausalité, ça veut dire que
C'est une notion très simple à comprendre. Ça veut dire que partout où il y a du psychisme, il y a un pouvoir décisionnel. Nous sommes capables de décider de tourner la tête d'un côté ou de l'autre, de lever le bras en l'air ou pas, parce que nous sommes des entités psychiques, finalement, dotées de conscience. En général, quelqu'un qui est dans l'état comateux, c'est assez difficile qu'il puisse intentionnellement aller étendre le bras pour prendre un objet qu'on voudrait lui tendre. Mon critère, c'est de dire que la partie matérielle de la particule, c'est ce que je vais appeler l'exocausalité. L'exocausalité, c'est-à-dire, c'est une loi de causalité subie. Genre, si je lâche cet objet, il va tomber d'une certaine façon et il n'a pas d'autre choix. Ça, pour moi, c'est le critère qui me permet de décider, j'ai affaire à la partie matérielle d'une particule élémentaire, de l'électron par exemple. Par contre, donc, qui dit exocausalité, je suis désolé pour ce néologisme, mais ça veut dire pensée déterminisme. Étant donné que cet objet ne peut pas modifier la loi de causalité qu'il subit, cette loi ne bouge pas, elle est donc prévisible, elle est déterministe. Par contre, sa partie psychique, elle, est dotée d'un pouvoir décisionnel rudimentaire au niveau de la particule élémentaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la partie psychique, le jaune d'œuf, si on veut, de la particule élémentaire va être capable de prendre des décisions, de faire des choix, encore une fois, rudimentaires. Ça veut dire que le physicien ne va percevoir qu'une seule chose, il va percevoir de l'aléatoire, des comportements qui ressemblent au hasard. En gros, ce que je suis en train de vous dire, c'est que, je crois que j'ai d'ailleurs une slide là-dessus, voilà. Je suis en train de vous dire que la partie psychique de la particule est habitée par une faculté de choix qui reflète un pouvoir décisionnel, et j'appelle ça l'endocausalité. La partie matérielle est, elle, habitée par ce que j'appelle l'exocausalité, une exocausalité subie, et ça va se traduire par du déterminisme. Donc ces mots un peu exotiques d'endocausalité et d'exocausalité, pensez d'un côté aléatoire et de l'autre côté déterminisme. C'est aussi simple que ça. Voilà. Donc, à partir de là, l'endocausalité, donc je dis, elle est, pourquoi je l'appelle endocausalité? Parce qu'elle est endogène. C'est-à-dire, par exemple, si je tourne la tête d'un côté ou de l'autre, c'est une décision endogène. Endogène, c'est-à-dire, elle m'est interne. Exogène, ça veut dire que c'est extérieur. Si l'objet tombe, ce n'est pas lui qui l'a décidé, il subit. Voilà. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de noter, ça servira par la suite, que la partie immatérielle échappe aux lois usuelles de la matière, ce qui veut dire qu'elle n'est pas, elle ne s'inscrit pas dans le cadre de l'espace-temps de la matière, qui, comme vous le savez depuis Einstein, est relativiste. C'est la loi de relativité, on appelle ça la relativité. Et donc, ça veut dire, par exemple, que la partie endocausale ignore totalement les distances qui appartiennent au monde de la matière. C'est important de le dire, ça va jouer un rôle par la suite. Donc, causalité subie et causalité choisie, je l'ai déjà dit. Une idée insolite, donc cette notion d'une matière qui est habitée d'une dimension non matérielle, encore une fois, pensez toujours à l'œuf poché, on ne voit que le blanc, c'est la partie matérielle, mais à l'intérieur, il y a le jaune d'œuf, et le jaune d'œuf, eh bien, c'est la partie psychique. Eh bien, j'appelle en quelque sorte, cette matière complétée de sa dimension non matérielle, je l'appelle l'holomatière, là, c'est la holistique, c'est la holo, c'est la notion de totalité, ça vient du grec, tous ceux qui ont fait du grec savent qu'on dit to holon, ça veut dire ce qui est entier. Voilà, donc j'appelle ça l'holomatière, et une particule d'holomatière, c'est-à-dire l'œuf poché avec son jaune, eh bien j'appelle ça une holoparticule, tout simple. C'est juste un néologisme, et je veux dire pour ceux qui aiment la philosophie que jusqu'à présent, l'opposition qu'on faisait était soit moniste, soit dualiste. Le monisme, c'est dire qu'il y a une substance unique dans l'univers, et en général on s'empresse d'ajouter c'est la matière. Donc on va dire que
la conviction dominante, la croyance dominante aujourd'hui dans les cercles scientifiques et en Occident, c'est que notre monde est fait de matière, c'est le monisme matérialiste, c'est-à-dire il y a une seule substance de l'univers, c'est la matière, et le psychisme ou la conscience est un épiphénomène, c'est un effet qu'on ne comprend pas encore totalement, mais un jour on le comprendra grâce aux neurosciences. Alors, contre ça, il y a une autre famille de pensée qui s'appelle le dualisme. Le grand pape du dualisme, c'est évidemment Descartes, avec sa res extensa et res cogitans, la chose donc qui a une dimension spatiale, qui est la matière, et la chose qui est la matière pensante en quelque sorte, qui n'est pas matérielle. Et le problème avec ce dualisme, c'est que quand on dit mais comment les deux interfèrent, Descartes a proposé comme solution c'est la glande pinéale, mais aujourd'hui ça fait pas très sérieux, et donc la pierre d'achoppement de tous ces dualismes, c'est d'être incapable de dire l'interface qui permet le dialogue entre les deux, c'est ceci. Et voilà, donc le dualisme n'a pas réussi à passer la rampe à cause de cette absence de réponse. Alors, moi en fait, l'holomatière, c'est un monisme dualiste. Encore une fois, pour ceux qui aiment la philosophie, ça veut dire quoi? Une seule substance, l'holomatière, mais avec deux dimensions disparates, c'est là qu'est le dualisme. D'un côté, la face matérielle, on va dire exocausale, donc déterministe, et de l'autre côté, une face ou un contenu immatériel, et endocausal, c'est-à-dire aléatoire. Voilà. Et à ce moment-là, je vais pouvoir poser et peut-être résoudre le problème de l'interface. Alors, l'holoparticule, voilà à quoi elle ressemble. Alors, il y a plusieurs métaphores. Il y avait celle du jaune d'œuf. On va prendre celle-là. Donc, elle a une partie exocausale. Donc, vous vous souvenez, ça veut dire déterministe. Alors, je l'appelle le xo. Il faut trouver un néologisme, et elle a une partie endocausale, vous vous souvenez, endocausale implique aléatoire, c'est le hasard quantique, et cette partie-là, je l'appelle le ndo, ndo comme endocausal, exo comme exocausal, voilà. Okay. Alors, ces parties-là, donc la première est déterministe, celle du bas, et l'autre est aléatoire. Et il y a un certain nombre de caractéristiques physiques qui sont bien connues, et notamment, je rappelle aussi que la partie du bas, la partie matérielle, est relativiste, c'est-à-dire elle s'inscrit dans l'espace-temps de la matière, puisqu'elle est matérielle, alors que la partie du haut, le psychisme, n'est pas relativiste et transcende l'espace-temps de la matière, et on va voir que ça joue un rôle en physique. Alors, quand ces deux dimensions interfèrent au dialogue, on sort du cadre strictement matériel, et le physicien de croyance matérialiste ne peut plus comprendre. Et ça a été la chose qui m'a permis de faire le raccordement entre les deux. Je me suis dit que si depuis les années 1900-1930, on n'arrive toujours pas à comprendre certaines propriétés extravagantes du monde quantique, c'est peut-être justement parce qu'on n'a pas compris que certains phénomènes sont psychophysiques et non pas purement matériels ou physiques. Voilà. Et effectivement, c'est ce que nous allons voir dans la suite de mon exposé. Alors, suite. Une autre métaphore pour comprendre l'holomatière, l'holoparticule, c'est-à-dire la particule psychophysique, finalement, que j'ai dessinée tout à l'heure, c'est, imaginez que c'est une voiture de course qui a deux pilotes, un bolide. Il y a deux pilotes. Le premier pilote, c'est exo, c'est-à-dire la partie déterministe, exocausale, et lui, c'est lui qui est dominant, c'est pour ça qu'on ne voit que lui en général, et il mène la danse, et quand c'est lui qui conduit le bolide, eh bien on a un comportement déterministe, ondulatoire et relativiste, et un certain nombre de choses. Disons, on va dire que c'est un comportement physique que nous connaissons bien et qui correspond à plein de critères justement physiques. Le deuxième pilote, eh bien, c'est quand la partie endocausale, la partie du haut, si vous vous souvenez, le jaune d'œuf, c'est lui qui mène la danse. Dans certains cas, c'est lui qui va se réveiller, chasser le premier pilote et prendre les rênes. Pourquoi fait-il ça? Eh bien, il fait ça, en fait, quand la nature a besoin qu'un choix soit fait. Alors,
On va venir tout à l'heure, je vais vous expliquer par un croquis, par une image, dans quel cas le choix, la nature a besoin qu'un choix soit fait, mais vous gardez juste ça en mémoire. Donc en temps normal, une particule est soumise et est dirigée par le premier pilote, qui est le pilote déterministe, matériel, et de temps en temps, l'autre pilote est appelé à intervenir et à ce moment-là, on a un comportement qui n'est plus du tout le même, qui n'est pas déterministe, qui est aléatoire et qui n'est pas relativiste et ainsi de suite. Voilà. Je suis un petit peu désolé parce qu'il y a pas mal de concepts là-dedans, mais c'est vrai que la physique quantique, c'est un petit peu difficile de tout expliquer en 45 minutes. Alors, donc je dis, il y a une interface entre les deux. Alors, donc je dis, le hasard n'est pas fortuit, parce que dans le hasard quantique, je mets l'endocausalité. Et donc ça pose la question de quelle nature est le hasard quantique. On peut dire que mon approche part de cette question, et il y a en fait trois grandes possibilités. La première, c'est de dire que le hasard, eh bien, c'est du vrai hasard, c'est-à-dire par exemple la tarte à la crème saute parce qu'elle saute. Circuler, il n'y a rien à voir, c'est la conséquence sans cause, l'effet sans cause, et c'est ce qu'on appelle acausalité, le hasard acausal, aprivatif, pas de cause. La deuxième possibilité, c'est qu'il y a un déterminisme, mais il est caché et nous l'ignorons. C'est ce que j'appelle la crypto pour dire que c'est caché, exocausalité. Donc il y a un déterminisme caché. C'est par exemple, vous allez à un anniversaire et puis d'un seul coup, le beau gâteau d'anniversaire saute en l'air. Et alors tout le monde se dit, mais qu'est-ce qui arrive? Eh bien c'est parce qu'un petit malin a mis un petit dispositif très, très discret sous le gâteau pour le faire sauter en l'air à un moment donné. Personne ne l'a vu, donc on se dit, ça paraît être un phénomène dû au hasard, mais en fait non, c'est un déterminisme caché. Et la troisième possibilité qui n'a pas été envisagée jusqu'à présent par les scientifiques, qui n'ont envisagé que les deux premiers, eh bien, c'est précisément l'endocausalité, c'est-à-dire une causalité non déterministe, c'est-à-dire qui renvoie à une cause non déterministe. Cette cause, c'est un pouvoir décisionnel. Voilà. Et ce pouvoir décisionnel lui-même, vous l'avez compris, renvoie à une instance psychique. C'est parce que nous sommes des entités psychiques que nous avons le pouvoir de décider, par exemple, de s'inscrire à ce colloque ou d'aller à la pêche ou ainsi de suite. Voilà, c'est ça l'idée. Donc, tout ça revient à dire que, finalement, une des grandes objections au dualisme, ou à une nature non matérielle de la conscience, c'était de dire le cerveau conscient est une machine électrochimique, il y a le potentiel d'action d'un côté ou l'influx nerveux et les neurotransmetteurs de l'autre, parfaitement conforme aux lois connues de la physique et de la chimie. Donc si l'esprit, la conscience avait un pouvoir actif, cela viendrait perturber les lois de la physique et de la chimie actuellement connues, et ce n'est pas ce qu'on constate, donc c'est bien la preuve qu'il n'y a pas un esprit immatériel qui vient interférer avec les fonctionnements cérébraux. Et ce que je réponds à ça, à ce raisonnement, c'est que le psychisme agit à l'intérieur même des lois quantiques, parce que ce que nous croyons être une particule élémentaire, un électron fait de matière pure est en fait psychophysique puisqu'il est fait d'holomatière. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Donc ça veut dire que la dimension psychique est déjà prise en compte par les lois de la physique, elle est déjà internalisée. Et voilà, c'est ça que me permet cette vision des choses. Je rappelle ce monisme dualiste. Alors, comment est-elle internalisée? Eh bien, vous l'avez compris déjà, le hasard quantique. Alors, le hasard quantique, je vous dirai, ça vous parle peut-être pas beaucoup, l'aléatoire quantique, je vous dirai un peu tout à l'heure où on le trouve, par exemple. Alors, la première chose, c'est le saut quantique. Le saut quantique, c'est tout ce qu'on appelle réduction du paquet d'ondes. C'est un ensemble d'évolutions physiques qui ne sont pas ondulatoires, qui sont brutaux, alors que quand on a une évolution ondulatoire, c'est continu. Là, on est dans la discontinuité et on est dans une apparence de
d'aléatoire. Alors ça, c'est la première manifestation pour moi de la dimension psychique. Et la deuxième, c'est la fameuse intrication. Et il se trouve justement, pour ceux qui connaissent un peu la théorie physique de quantique, que ce sont les deux interactions qui, jusqu'à présent, ont été totalement incomprises. Comme par hasard, on comprend que ce soit incompris, si je puis dire, dans la mesure où ce sont des interactions qui font intervenir la dimension psychique qui devient alors active. Et il est certain que si on nie l'existence de cette dimension, on ne peut pas comprendre, si on reste dans un cadre purement matérialiste. Voilà, alors, donc le saut quantique fait apparaître le hasard quantique et l'intrication fait apparaître des corrélations, donc des ententes instantanées à distance. Il y a une logique à tout ça, c'est-à-dire si ces deux interactions non strictement physiques existent, il y a une logique. Je n'aurai pas le temps de l'exposer malheureusement, mais en tout cas, elle relève du psychisme actif. Alors, donc, nous allons comprendre pourquoi cette dimension endocausale, donc, comme j'ai dit, quand elle se réveille, elle va occasionner un saut quantique, on va aussi comprendre tout à l'heure pourquoi, mais elle va aussi créer la non-localité. La non-localité ou l'intrication, je suppose que vous avez déjà entendu parler de ça, je ne peux pas tout vous expliquer, sinon en 45 minutes ce n'est pas possible, mais l'intrication, en gros, on va dire, ce sont deux particules qui, parce qu'elles ont interagi dans un passé commun, on va le dire, c'est vrai et c'est faux, tel que c'est dit, restent connectées, même si elles sont séparées par des milliards de kilomètres. Elles restent connectées, encore faudrait-il savoir exactement ce que ça veut dire, mais retenez déjà cette idée. Et donc la non-localité, je vais vous en parler un petit peu, là on voit, il y a deux particules avec ces deux dimensions, la dimension donc, déterministe en bas et la dimension aléatoire en haut, le exocausal et le do-endocausal, et le fait que ces particules aient deux dimensions va permettre l'existence d'interférences variées, beaucoup plus variées que si elles étaient monodimensionnelles. Et il y a l'interaction je sais bien utiliser ça, c'est merveilleux. Bon, j'y arrive pas, c'est pas grave. Voilà. Alors, c'est pas grave. S, vous voyez qu'il y a S, c'est la. Je comprends pas trop là. C'est quoi ce truc-là? S. Bravo. Je crois que ça mérite totalement vos applaudissements. Et donc c'est cette interaction-là entre. C'est une soudure entre les deux parties décisionnelles endocausales des deux particules. M, c'est une interaction normale, et P, j'y arrive, c'est une mouche, mais elle ne veut pas se poser au bon endroit. On les a mal éduqués. Et P, des deux côtés, c'est une interaction entre les deux composantes, et c'est quand P a lieu, que j'appelle donc, qu'un saut quantique se fait, j'appelle ça une interaction parale, mais peu importe, c'est à ce moment-là que la partie endocausale, c'est-à-dire aléatoire, psychique, va venir bousculer la partie matérielle, et c'est donc l'interaction psychophysique de base. C'est-à-dire quand je décide de lever mon bras et que je le fais, eh bien, c'est par P. C'est-à-dire il y a une partie, c'est ainsi que je comprends les choses, il y a une partie des particules de mon cerveau qui vont déclencher une interaction P, c'est-à-dire un saut quantique qui va venir bousculer la partie matérielle, et par mon cortex prémoteur puis moteur, ça va déclencher le mouvement intentionnel de mon bras. Voilà, c'est comme ça que je comprends les choses. Je fais la suite parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Alors, donc la non-localité, c'est une soudure décisionnelle, vous vous souvenez de c'est une soudure entre les deux parties décisionnelles des particules. Ce qui veut dire que, ça veut dire plusieurs choses, ça veut dire que quand les particules vont décider quelque chose, puisque je vous ai dit que cette partie haute a une faculté de choix, comme elles sont soudées, elles vont
prendre une seule et même décision globale. Et ça, ça va se traduire par des corrélations. C'est ça les corrélations de la non-séparabilité ou de l'intrication. Pour ceux qui ne connaissent pas ça, je ne peux malheureusement pas tout expliquer, mais en gros, les deux particules qui ont certains comportements corrélés, on s'aperçoit que ces comportements corrélés, comme par hasard, sont ceux qui font appel à une décision des parties endocausales. C'est un problème décisionnel. Alors, donc, une seule et même décision qui fait que les décisions localement sont parfaitement harmonisées, forcément, puisque c'est pris par l'ensemble des parties endocausales. Deuxième chose, cette corrélation n'a rien à voir avec les distances. C'est-à-dire que les deux particules soient à 2 cm ou à 2 milliards de kilomètres, cette corrélation est tout aussi solide. Comment ça peut se faire ? Eh bien, comment ça se fait ? Eh bien, j'explique cela en disant que la partie endocausale, excusez-moi, la partie psychique, n'étant pas matérielle, transcende l'espace-temps de la matière. Donc, quand il y a cette soudure décisionnelle, que les deux particules soient très proches ou très éloignées, pour la partie endocausale, ça ne fait aucune différence. Voilà, je ne sais pas si vous saisissez le concept, mais... En gros, la partie endocausale a tous les bons, le bon profit du poste pour permettre à l'intrication ou la non-causalité ou la non-localité, excusez-moi, d'avoir lieu. Pas facile d'expliquer le quantique comme ça. Donc cette partie endocausale est indifférente à la distance. Et elle crée des corrélations à distance, puisqu'elle prend des décisions concertées. Alors, la non-localité, donc elle harmonise, ok. Alors, le choix endocausal, maintenant, de quoi s'agit-il ? Je vous ai dit, dans certains cas, la partie endocausale se réveille, elle est obligée de prendre un choix. Eh bien, que se passe-t-il ? Ça, c'est une particule, alors on appelle ça un paquet d'ondes, imaginez un petit nuage vibratoire qui se déplace dans l'espace. Et ce paquet d'ondes a une petite contrainte, c'est qu'il n'a pas le droit de se dissocier en sous-petits nuages indépendants. Alors, indépendant, ce n'est pas au sens spatial, c'est au sens interférentiel, mais je ne vais pas rentrer là-dedans. Sachez qu'il y a une petite nuance là-derrière. Et donc, ça veut dire que quand on lui présente un obstacle qui tendrait à le découper, il n'a pas le droit de se laisser découper. Donc, si ce petit nuage... attendez, ma mouche, elle est un peu rebelle. Hein. Si c'était une boule de neige, eh bien, quand il va à toute vitesse vers un détecteur, vers un obstacle, eh bien, l'état final, ça serait deux demi-boules, une demi en bas, une demi en haut. Ça, c'est interdit pour une particule quantique, et c'est pourquoi elle est obligée de faire un choix. Et c'est ce choix, elle le fait en déclenchant un saut quantique. Que va faire ce saut quantique ? Ou une réduction du paquet d'ondes, tout ce qu'on veut, eh bien, il va opter soit pour je concentre le petit nuage vers le haut, décidément, hein. On devrait faire pour les conférenciers inexpérimentés comme moi un stage de mise à niveau. Voilà, mais c'est ça que je ne trouve pas. Voilà, tu as là et là, regarde. Ah, enfin, ça y est, mais je n'ai pas réussi tout à l'heure, je l'ai pourtant appuyé, je n'ai pas réussi. On est sous-doué ou on ne l'est pas. Donc, si c'est une particule quantique, elle n'a pas le droit de terminer sa vie comme ça en deux parties. Pour une raison de cohérence du monde, encore une fois, je n'ai pas le temps de développer, mais tout ça, en fait, c'est une question de cohérence qui permet de comprendre le quantique. Elle n'a le droit que d'aller soit totalement vers le haut, mais en étant concentrée, réduite, et c'est pour ça qu'on parle de réduction du paquet d'ondes, soit d'aller en totalité vers le bas, de la même manière, réduite. Et on voit bien apparaître un élément d'aléatoire ou d'imprévisibilité, de hasard, puisqu'un même état initial conduit à deux états finaux possibles. Voilà. Et comme je dis, la tortue aussi se rétracte quand on veut lui couper la patte. C'est une question de... j'ai un obstacle qui tend à me découper parce que je suis étalé des deux côtés de l'obstacle, eh bien, je vais me concentrer brutalement d'un côté ou de l'autre. Et ça fait que l'obstacle, eh bien, ne pourra pas me découper. Et c'est ça la réduction du paquet d'ondes ou le saut quantique. Et c'est, on comprend pourquoi, s'il n'y avait que la partie exocausale, eh bien, cette évolution ne serait pas possible. Elle fait appel à un choix.
la particule est obligée de choisir, placée au pied du mur, soit je me concentre vers le haut, soit je me concentre vers le bas. Donc on comprend pourquoi la nature a mis de l'exocausalité, du pouvoir décisionnel, donc du psychisme, dans la particule de matière. Et c'est là où il y a, où on s'aperçoit que la nature ne pouvait pas se permettre de créer des particules faites de matière seulement, il faut que ce soit de psychomatière ou d'holomatière. Voilà. Alors, la suite, donc on comprend la logique de ça. Donc, il se trouve que, pour revenir au titre de cette conférence, que j'avais sans l'oublier, la conscience quantique, elle va être fondée sur ces deux choses-là, c'est-à-dire sur, évidemment, la partie endocausale de chaque particule, mais qui va s'exprimer d'une part par la non-localité. Je vous rappelle que la non-localité, ça veut dire que les différentes parties décisionnelles de chaque particule peuvent être soudées deux à deux. Alors, donc, et en soudant deux à deux à force, on va créer des entités macropsychiques. Et donc, c'est comme ça que je comprends l'émergence de la conscience cérébrale. Je dis qu'il y a des petites gouttelettes de psychisme éparses dans la matière, et le cerveau est un grand chef d'orchestre, et sait les souder d'une façon coordonnée, de façon à créer des entités macropsychiques. Ce sont nos esprits. Alors, donc ça, c'est le premier aspect. Et l'autre aspect, par le saut quantique, qu'on a vu dans la slide précédente, là, dans le voilà, eh bien, par le saut quantique, cette partie psychique qui en temps normal est latente, parce que tant qu'il n'y a pas l'obstacle, elle dort, elle est paresseuse, eh bien, quand il le faut, elle monte au créneau, elle se réveille et elle vient impacter la matière. Et c'est comme ça que je comprends le fait que l'esprit peut modifier, peut venir parler au cerveau et que du coup, la partie endocausale me permet de bouger intentionnellement mon bras, c'est-à-dire un impact sur la matière. C'est l'interface entre les deux. Et ça, c'est intéressant pour la science parce que c'est un phénomène purement scientifique, déjà connu. La seule chose, c'est que dans le cadre habituel du matérialisme, on ne peut pas la comprendre. Alors, les grains de conscience. Donc, en résumé, dans le cadre de l'holomatière, donc qui est l'approche que je propose, chaque particule porte un grain de conscience, ou plus exactement de psychisme. C'est la partie endocausale. Vous savez, le jaune d'œuf dans le blanc d'œuf de l'œuf poché. Ensuite, un saut quantique est une interaction entre la partie psychique et la partie matérielle de la particule. C'est l'interface que cherchaient en vain tous les dualismes. Et le troisième élément, les grains de psychisme infimes et négligeables au niveau de chaque particule peuvent prendre une grande ampleur collective en se collant les uns aux autres. On peut les souder, on peut les coller. Alors, conclusion, je pense que je suis dans les temps, je suis même avant, oui, c'est bon. Conclusion, l'holomatière est une substance unique, riche de deux contenus très différents. C'est ce que j'ai appelé un monisme dualiste. Donc, par rapport, je suis ni moniste ni dualiste, je suis entre les deux. C'est la troisième voie. Alors, donc, l'holomatière loge une infime gouttelette de psychisme dans chaque particule quantique, que j'appelle donc une holoparticule. Elle permet aux deux contenus de dialoguer par le saut quantique, on a vu tout à l'heure pourquoi et comment, et de s'assembler. Et quand elle s'assemble, eh bien, ça crée les corrélations de la non-localité ou de l'intrication. Voilà. Donc, en fait, j'allais dire dans mon approche, eh bien, la physique quantique est très sympathique. Elle me donne les deux interactions dont j'ai besoin. L'une qui est au cœur du dialogue matière-esprit et l'autre qui me permet d'assembler ces infimes gouttelettes de psychisme pour, par effet de seuil ou effet de masse, faire des entités macropsychiques. J'ai de la chance. La physique quantique me donne ce dont j'ai besoin. Voilà. Et donc, voilà, donc, une ultime suggestion, et puis j'en aurais fini, même avant la fin de... Oui, c'est vraiment très bien. Il y a d'autres choses. Alors, il y a deux niveaux. Je vous ai parlé d'endocausalité, et dans le cadre de l'holomatière, c'est une endocausalité partielle. Et on peut évidemment se poser le problème de l'asymptote, entre guillemets, c'est se dire, mais s'il y avait l'endocausalité totale, j'appelle ça l'urcausalité, UR, UR, une racine allemande qui veut dire primordiale. Et cette urcausalité ou urcausalité, en fait, elle est à un niveau de transcendance, c'est-à-dire
ça me permet d'avoir une approche, en tout cas logico-conceptuelle, si je puis dire, de quelque chose qui appartient au divin. Voilà, donc c'est juste un élément de réflexion, je le dis parce que c'est une ouverture. Et d'autre part, dans le cadre de l'endocausalité partielle, c'est-à-dire de l'holomatière, il y a une notion nouvelle qui est intéressante, que j'appelle l'information suprale. Vous vous souvenez, je vous ai parlé, on va faire la suivante, un nouveau type d'information. Eh bien, c'est parfait, très bien. Je ne sais pas pourquoi la mouche tient à être ici, hein, par contre. Je ne sais pas comment on la supprime. Bon, mais ce n'est pas grave. Elle ne veut pas partir. Ah ! Je suis en rodage. Donc ça, ce sont des holoparticules, des petites particules, c'est des perles, et entre, reliant les perles, deux à deux, des petites ficelles, et ces ficelles, ce sont les liens d'intrication ou de non-séparabilité ou de non-localité, il y a plusieurs noms, les Canadiens parlent d'enchevêtrement pour l'intrication, qui est un mot que je trouve plus joli, et donc ça veut dire qu'avec des perles et des ficelles, eh bien, je peux mettre de la structure. Je peux, par exemple, dessiné un circuit qui n'a pas de structure, enfin qui ne représente rien, mais j'aurais pu dessiner un papillon. On a parlé de papillon tout à l'heure, une étoile, des fleurs et ainsi de suite. Tout ça pour vous dire que quand on peut mettre de la structure dans un milieu, on le sait en mathématiques, eh bien, on peut mettre de l'information. Et ça veut dire que le champ du psy non local grâce à la non-localité ou à l'intrication, ce champ du psy, donc ces soudures, eh bien, va me permettre de mettre de l'information dans ce champ du psy. Et cette information a trois caractéristiques au moins. Elle est invisible, comme la partie endocausale, comme la partie psychique. Elle est non locale, par définition, puisqu'elle est liée à la non-localité, et elle est psychique. Elle est psychique puisque, encore une fois, cette partie endocausale est psychique. Donc, j'ai une information non visible, mais qui est de nature psychique. Et pour reprendre ce qui avait été dit tout à l'heure sur la médiumnité et la télépathie, eh bien, il est bien possible. D'abord, cette non-localité fait que ma conscience, même la conscience qui est créée par le cerveau, est non-locale, c'est-à-dire elle a des ailes invisibles qui vont jusqu'à l'infini, comme les deux photons de l'expérience d'aspect de l'intrication. J'ai dit que les particules peuvent être à des milliards de kilomètres, elles continuent à être corrélées, ce qui veut bien dire que leur psy, lui, les distances, il s'en fiche. C'est la même chose pour la conscience, même la conscience d'en bas n'est pas liée au cerveau. C'est-à-dire, même si elle est liée au cerveau, je veux dire, elle n'est pas confinée au cerveau par cette dimension non locale. Et d'autre part, donc ça peut, encore une fois, je n'ai pas le temps de développer, mais ce que je trouve intéressant, c'est que ça donne un cadre conceptuel qui permet de travailler sur des phénomènes tels que la médiumnité et la télépathie. Je ne suis pas en train de vous dire que tout va s'expliquer par là, mais je dis qu'en tout cas, on a les bases d'une approche, en tout cas scientifique, de ce genre de phénomène. Voilà, eh bien, je pense que j'en ai assez dit, et c'est yes, the end. Alors, j'avais peur de ne pas avoir le temps, et finalement...